Levez-vous, mon ami. L'étoile de la mort sera terminée à temps. Vous avez bien travaillé, Seigneur Vador. Et maintenant, je devine que vous souhaitez continuer votre recherche du jeune Skywalker. Oui, mon maître. Patience, mon ami. En temps voulu, c'est lui qui vous retrouvera. Et lorsqu'il le fera, vous devrez le faire venir devant moi. Avec l'âge, il est devenu fort. Nous devrons être tous les deux pour l'attirer vers le côté obscur de la Force. Je ferai selon vos désirs. Tout se passe à présent comme je l'avais prévu. Bonjour à tous. Ben là, vous venez de voir un bref extrait de la saga Star Wars, où on assiste à l'arrivée de l'empereur Palpatine, accueilli par son général en chef, Dark Vador. Bien que cette œuvre cinématographique repose sur de la pure science-fiction, il semblerait que les personnages clés de cette saga Star Wars, ou Guerre des Étoiles en français, nous présenteraient par fiction interposée les deux bêtes de l'apocalypse devant se manifester sur Terre quelque temps avant la fin d'autre monde. Ces deux bêtes qu'on retrouve dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean dans la Bible du Nouveau Testament, bien entendu. Mais qui sont ces fameux personnages de la saga Star Wars? Nous avons tout d'abord l'empereur Palpatine, qui représenterait le dragon qui avait donné autorité et puissance à la bête, à cette tête venant de la mer, et qui apparaît dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Le dragon étant une entité intelligente, symboliserait en fait le diable. Donc l'empereur Palpatine jouerait le rôle du diable dans la saga Star Wars. L'autre personnage de la saga est Dark Vador. C'est un être maléfique, dirigeant un conseil de plusieurs têtes. Il est missionné par l'empereur Palpatine pour capturer l'élu de la rébellion, joué par le jeune Luke Skywalker. Dark Vador, vous l'aviez bien compris, représente la bête à sept têtes venant de la mer. Contrairement au récit biblique qui ferait allusion à une flotte navale surgissant de la mer, dans le film, du moins dans la saga Star Wars, cette flotte proviendrait du fin fond de l'espace, mais avec la même symbolique. Donc si on compare le récit biblique de ce chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean avec la saga Star Wars, on peut dire que le diable alias l'empereur Palpatine chargerait en fait la bête à sept têtes alias Dark Vador pour qu'il capture le jeune rebelle Skywalker alias le mystérieux grand monarque que la Bible appellerait l'Antéchrist. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu la saga Star Wars, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Une république galactique avait été fondée pour amener la paix dans la galaxie, mais tout au long de son existence, elle avait été secouée par des sécessions et des guerres, notamment contre l'Empire Sith. Des chevaliers Jedi, qui sont les gardiens de la paix et de la justice dans l'univers, réussiront tout de même à éliminer la menace Sith, et la galaxie retrouvera progressivement la prospérité. Mais après des millénaires d'existence, cette république galactique sera à nouveau secouée par des luttes intérieures qui la fragiliseront. Selon une prophétie Jedi, un élu devrait naître et devrait rétablir un jour l'équilibre dans la Force. Un seigneur Sith, Dark Sidious, profitera alors des faiblesses de la République Galactique pour se faire élire chancelier suprême sous le nom de Palpatine. Manipulant dans l'ombre le Sénat, l'Ordre Jedi et la Confédération des Systèmes Indépendants, l'empereur Palpatine déclenchera la guerre des clones qui opposera la République aux forces rebelles séparatistes, dont se trouve le jeune Luke Skywalker, après lequel court Dark Vador. C'est pendant cette période obscure que se distinguera un jeune Jedi, Anakin Skywalker, qui sera le héros de nombreuses batailles aux côtés de son mentor Obi-Wan Kenobi. Voilà les principaux ingrédients d'un scénario qui marquera l'esprit de millions de téléspectateurs. Mais tous ces fans de la saga Star Wars savaient-ils vraiment qu'ils suivaient en fait les aventures de plusieurs personnages que la Bible nous présenterait en fait dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean? Dans l'extrait que vous venez de voir, l'empereur Palpatine, c'est-à-dire le diable dans la version biblique, dit à son général en chef Dark Vador, c'est-à-dire la bête à sept têtes qui vient de mer: patience, mon ami, c'est lui qui vous retrouvera.
Bah, cette simple phrase signifierait que le mystérieux grand monarque qui apparaîtrait sous les traits de l'Antéchrist ne connaîtra rien de sa mission. Il grandira le plus naturellement du monde au milieu du peuple, hein, et sa quête de savoir lui fera découvrir ce que le commun des mortels ne voyait pas. C'est pour cette même raison que dans l'extrait, vous entendez l'empereur dire: Patience, mon ami, c'est lui qui vous retrouvera, c'est-à-dire ce grand monarque va se lancer dans une série de recherches et il va nous révéler beaucoup de choses sur ce monde. Précisons tout de même que le grand monarque de la tradition chrétienne européenne et le Mahdi de la tradition islamique, hein, sont deux figures très très proches, et une étude beaucoup plus poussée sur les différentes prophéties et révélations sur le sujet, hein, nous démontre qu'il s'agirait de deux visions différentes d'un même individu. D'aucuns jugeront qu'il ne s'agit pas de la même entité personnelle par jalousie religieuse, hein, voulant s'accaparer l'apanage d'une telle figure de l'eschatologie. Bah, l'existence du Mahdi n'est pas annoncée dans le Coran. Il semble que toutes les informations recueillies à propos de ce mystérieux Mahdi, hein, proviennent en grande partie des paroles du prophète Mahomet, hein, qui seraient compilées sous la forme de hadith. Mahdi, ce n'est pas un prénom, mais un surnom. C'est un titre qui signifierait le bien guidé. D'après ces hadiths, le Mahdi devrait porter le même prénom que celui du prophète de l'islam, c'est-à-dire Mohamed. Parce que nous, on dit Mahomet, mais bon, le prophète de l'islam s'appelait Mohamed. Mahomet, c'est une manière de le distinguer des autres Mohamed, je pense. Et contrairement à ce que certaines personnes croient, le Mahdi ne saura pas à l'avance qu'il est celui qui recevra le titre de Al-Mahdi. Ben, à ce sujet, le prophète de l'islam, Mahomet, hein, disait que du Mahdi, que Dieu le rendra apte en une seule nuit. Ben, il mettra son intention sur lui, hein, il le guidera, l'inspirera et l'orientera. Ben, il se couchera une nuit, hein, sans science, sans générosité, ni courage, et sera au matin, du moins le lendemain matin, l'homme le plus savant et le plus généreux et le plus courageux. Ben, il sera préparé, comme c'est expliqué, en une seule nuit. Le Mahdi est considéré comme un homme ordinaire qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment par une expérience particulière. Je pense que pendant cette nuit, il va peut-être avoir l'apparition d'un ange qui va commencer à lui expliquer ce qu'il devra commencer à faire. On dit aussi que le Mahdi apparaîtrait, du moins apparaîtra, alors que la terre aura été emplie de tyrannie et d'injustice. Hein. Il apparaîtra à une époque où la religion sera éclipsée. Bah, ça, c'est un peu ce que la Bible nous dit, hein. Elle nous dit exactement la même chose, hein. Elle nous explique que l'Antéchrist, que je compare au grand monarque et au Mahdi, se manifesterait pendant l'apostasie. Parce que c'est vrai qu'on donne une apparence maléfique à cet Antéchrist, mais l'est-il vraiment? Ou est-ce vraiment les forces du mal qui essaient de nous faire croire qu'il est maléfique pour discréditer sa mission sur notre terre? Bah, il a entre autres dit qu'un ange que le Mahdi ne verra pas sera chargé de le protéger. Je pense que ce n'est pas un ange, c'est un groupe d'anges, puisque ces anges vont le protéger et le guider pour qu'il accomplisse sa mission. Tout comme il le faisait avec les anciens prophètes et messies. Parce que nous ne le voyons pas, mais autour de ces messies et des prophètes, il y a comme une équipe d'anges invisibles qui gère l'expansion de la religion créée par le prophète ou le messie. Est-ce que vous pensez que tout se fait par hasard? Non, tout est programmé et téléguidé de l'invisible par des anges. Par exemple, le christianisme, s'il est arrivé jusqu'en Europe et aux États-Unis, c'est pas par hasard. Hein. L'islam est arrivé jusqu'en Espagne, c'est pas par hasard. Vous avez dans l'invisible tout un monde des puissances invisibles qui travaillent, hein. Je parle surtout des anges, hein, dont la mission consiste à répandre la religion un peu partout. Bah, ce que le diable aujourd'hui fait, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire lui, il réduit les religions à peau de chagrin. Et l'apostasie, c'est vraiment un signe vraiment annonciateur de l'arrivée de ce mystérieux personnage. Hein. Parce que quand vous regardez autour de vous, la religion et la foi deviennent pratiquement, je ne vais pas dire inexistantes, puisque les gens continuent à prier, mais bon. C'est un peu le matérialisme qui domine toutes nos sociétés de nos jours. Hein. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous et à la télévision, hein, vous verrez. Bon, là, je ne vais pas parler de la perversion parce que j'ai fait assez de vidéos sur ce point, hein, où je parle de la grande prostituée symbolisée par la démocratie qui pervertirait la nature humaine. Hein. On ne va pas trop s'étaler sur ça. Hein.
Et tous les textes s'accordent pour annoncer que le grand monarque, c'est-à-dire le Mahdi, sera le grand réformateur universel. Qu'il s'agisse des sources chrétiennes ou islamiques, hein, cette notion de réforme universelle impliquera plusieurs aspects. D'abord celui doctrinal et théologique, hein, à savoir que la réforme universelle concernerait la réforme des églises, des écoles juridiques et théologiques, et même des certaines idéologies, hein, philosophiques et non religieuses. Et comme ce grand monarque chrétien serait probablement le Mahdi, je pense qu'il va réformer l'église chrétienne d'un côté et le monde arabo-musulman de l'autre. Cette réforme va impliquer donc une réforme de la pensée en règle générale, hein, dans son fonctionnement, et sous-entendra un changement de paradigme, seul à même d'engendrer un changement radical du monde et des sociétés humaines. Je pense que ce grand monarque va revenir, du moins lorsqu'il va arriver sur Terre, et il apportera un nouvel enseignement. Et même, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, aujourd'hui je pense que plusieurs équipes commencent à travailler pour son avènement. Parce que si la prophétie bouddhiste se concrétisait, c'est-à-dire que ce grand monarque serait né dans les années 60, je pense que certaines équipes commencent à travailler pour nous le présenter dans le futur. Et il y a même de fortes probabilités que des contacts avec les délégations extraterrestres aient déjà eu lieu. Mais comme je l'ai souvent dit, le gouvernement ne va pas l'accepter. Parce que connaissant l'origine ethnique de ce grand monarque, ils n'accepteront jamais de se soumettre à son autorité. Encore moins si cette autorité est de nature religieuse. Parce que même s'il était européen, ce grand monarque, je pense qu'il aurait beaucoup de difficultés en France. Mais bon, comme c'est écrit, et c'est dans le programme des desseins de Dieu, eh ben logiquement, le grand monarque se manifestera automatiquement, que le gouvernement français le veuille ou non. Hein. Puisque, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, hein, concernant l'Antéchrist, pour qu'il apparaisse, il faut que celui qui le retienne disparaisse. Bon, je ne vais pas dire que le gouvernement va disparaître, mais il va se passer tellement de choses, ça commencera par des révolutions et des phénomènes étranges, surnaturels. Ça va, ces phénomènes vont tellement affaiblir le gouvernement français qu'il n'aura pas d'autre solution que de laisser le grand monarque agir. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.